une petite vidéo aujourd'hui particulière parce que j'ai réalisé en regardant les dates de mes vidéos, il y en a quand même, j'en ai fait une centaine quand même, ben ouais, là de rien, que ça faisait un an que j'avais fait ma première vidéo, donc ma chaîne a un an. Donc j'ai décidé de faire un petit concours. Je suis allée en ville ce matin faire quelques petits achats pour vous. Voilà, donc c'est un petit concours. Je vais vous montrer d'abord les produits que j'ai pris pour vous. Alors, déjà, j'ai pris un shampoing sec que je ne connais pas. J'ai pris que des trucs que je ne connaissais pas. De Schwarzkopf. Voilà. J'adore les packaging, en tout cas. Pour celui ou celle qui gagnera, il me dirait ce que vous en pensez. Voilà, il y a un petit cœur avec des ailes. Ça s'appelle Got To Be. Rockin' It. Shampoing sec à gagner, il fait 200 ml. Alors, avec ça, je vous ai pris un petit baume soleil des îles à passer pour soulager le corps après le soleil brûlant. Un baume après solaire, je crois. Voilà, je vous montre. C'est un baume corps ultra réparateur au monoï et au beurre de mangue. Répare et nourrit intensément. Bon, il est neuf, hein, bien sûr. C'est au monoï de Tahiti, pardon, ça commence fort, appellation d'origine. Voilà, il y a ce petit baume à gagner, il fait 150 ml, tout ce que je vous présente c'est neuf, hein. Je viens de l'acheter. Voilà. Avec ça, je vous ai pris un produit que je n'ai pas non plus, que j'ai jamais essayé, et Fossil Look Plume de Jemé, Maybelline, avec des plumes. Il est bien sûr fermé, hein, donc je ne vous montrerai pas la brosse. Vous voyez des petites plumes là. Voilà. Je vous ai pris un exfoliant gel douche bourgeois. Voilà, vous connaissez bien. Scrub. Spot and Satin Skin exfoliant à l'huile de jojoba. Voilà. Je ne connais pas non plus ce produit. Je vous ai pris des petits stickers à mettre sur les ongles. Fashion Print Night Sticker. Ça, c'est moi qui les ai choisis. J'ai trouvé trop choupinou. Je vous fais un petit zoom quand même. Voilà. J'espère qu'ils vous plaisent. Je suis décarcassée maintenant. Je vous ai pris un petit gloss, deux gloss de bourgeois. Un rose et un orange. Voilà, pour les peaux claires ou les peaux médium. Voilà, ça c'est le rose. Il fait 5 en 1. Bébé Gloss 5 en 1, Infi Bonne Mine, protecteur hydratant, lissant, brillance, cristal, 01. Voilà, il y a encore son emballage. Et j'ai pris le 02 Peau Médium, Bébé Gloss 5 en 1, bourgeois, qui est plutôt dans les tons orangés. Voilà. Avec ça, je vous ai pris un petit eyeliner de Yes One, un mini eyeliner flash, il est dans les teintes orange. ,5 g. Yes One, un mini. Je vous ai pris un petit crayon Jumbo Waterproof bleu, turquoise. De la marque S de mémoire. Là, pouvez, hein. De toute façon, il y a un scotch, hein, donc je ne peux pas l'ouvrir. C'est la marque, enfin, la couleur turquoise. En espérant que vous aimez le bleu, parce que s'il y en a qui me connaissent un minimum, je suis une dingue de bleu. Je vous ai pris un vernis orange et un vernis
Blue Paradise et l'autre c'est Tangerine. Ben, je suis à fond dans la Tangerine de Trendy Colors S. Voilà les deux. Je crois que ça fait des couleurs bien estivales. Voilà, voilà. Comme vous le voyez bien. Je vous ai pris un petit masque hydratant traitant pour le visage de la marque Mercea. Merci, on va dire. Je ne connais pas non plus. À tester. Sans parabènes. Voilà, ça fait 125 ml. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me faire le commentaire. Et je vous ai pris deux petits fards à paupières de la marque Smos Trend. Voilà, un fard à paupières Océan Flash. Alors que vous voyez bien la couleur. Voilà. Et un autre de la marque Smos qui est Magic Bleu, qui est un bleu foncé. Présenter tous les deux, ils sont irisés tous les deux. Voilà. Magique bleu. Et c'est tout. Là, c'est déjà pas mal. Hein? Alors, il faut être majeur, bien sûr, si vous n'êtes pas majeur, avec l'accord de vos parents, bien sûr. Et la question est, comment vous m'avez découvert? Bon, me dites pas, s'il vous plaît, par ma chaîne YouTube, tant qu'à faire, vous pouvez le faire. En tout cas, j'aimerais bien savoir comment vous m'avez découvert sur la chaîne YouTube. Moi qui suis une toute petite YouTubeuse, puisque j'ai actuellement entre 108 et 109 abonnés, ça jongle, hein. Donc ça va être familial. Tant qu'à faire, essayez de ne pas vous inscrire, pour vous désinscrire après pour participer au concours, ça serait sympa. Bon, je ne suis jamais à l'abri de ça, c'est le jeu. Et puis de retrouver des têtes que je connais, hein, que des gens. De toute façon, j'ai une très bonne mémoire des gens qui ont déjà commenté mes vidéos. Voilà, comment vous avez découvert ma chaîne? Voilà, c'est la question. Et à partir de ce jour, vous avez 3 semaines. Donc dans 3 semaines, je tirerai le gagnant qui gagnera ce lot qui fait une 60aine d'euros quand même. C'est un beau petit lot que je vous fais pour une petite chaîne. Voilà, on vous fait un gros bisou. À bientôt.